Look, I have this too. I have this. On fait comme, we do like Francine, Nadal. Ah, we know. Bonjour Rana et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Rana et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on vous propose une séance cardio pour le haut du corps. Également, on a choisi des choses en fonction des muscles qui sont le plus souvent utilisés ou les plus importants pour tous les gens qui propulsent un fauteuil roulant, donc toute la chaîne postérieure. Vous allez voir, là, c'est des exercices qui vont faire du bien, qui ont été spécifiquement choisis pour les gens qui utilisent des aides techniques, notamment un fauteuil roulant. Donc, si c'est un sujet que vous aimez, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on publie. Et vous pouvez bien sûr les partager à un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien sur une chaise qui est confortable dans votre fauteuil avec les freins. Et une fois que vous avez fait s'abonner, on se rejoint dans un instant. Je vous offre l'intro. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est tout simple. On va faire comme si on faisait de la propulsion. Donc, en même temps, je vais vous donner des petits conseils de propulsion sur comment on devrait bien propulser le fauteuil. Et mais là, c'est noir sur noir, là, malheureusement. Donc, je vais lever ma manche pour que vous voyez mieux. Imaginez, puis je vais mettre un petit peu plus haut. Le cerceau, non, la roue est ici. Souvent, les gens vont donner des petits coups comme ça, puis ils vont ramener le bras. Mais ce qu'on veut faire pour préserver notre énergie, c'est qu'on prend le cerceau, la main courante de la roue, et on l'accroche, ou on met notre main dessus, on la fait rouler jusque vers l'avant quand notre main se dégage, et on utilise le momentum pour ramener la main. On laisse le bras pendre et on ramène la main, et on fait comme ça. On fait comme une locomotive, et non pas juste des petits coups comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est plus stressant pour les épaules et c'est aussi moins efficace au niveau de la biomécanique. Donc, on veut faire ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va pratiquer ce mouvement-là à répétition avec une certaine vitesse sans avoir les roues, là, juste pour bouger, faire le mouvement. Habituez nos épaules, puis vous allez voir, ça va être cardio. Pour aller chercher un petit peu plus d'effort, on va utiliser notre tronc. On va engager notre tronc en se mettant sur le bout de notre chaise. On va se tenir le plus droit possible. Puis on fait ça juste si on est sécuritaire. Et on fait ça pendant 30 secondes. T'es prête? Si vous voulez, vous pouvez même mettre des poids si c'est très facile. Mais sinon, on ajuste notre vitesse, là, puis on travaille le mouvement. Allez, on y va. Et c'est parti. Et hop!
Excellent. Tu le sens, là, maintenant, hein? Ça avait l'air tout simple, tout facile au départ, là, mais quand même, quand on le travaille pendant 30 secondes, 3 fois 30 secondes, ça fait, ça devient exigeant. Et tu sais, la propulsion, on fait souvent, il faut avoir de l'endurance, il faut être capable de propulser. Tu sais, si on veut se rendre à un endroit, il faut propulser des fois pendant plus que 30 secondes. Donc, c'est bon de travailler comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler en endurance des bras, puis on va aller en ouverture. Donc, on va mettre nos bras devant et on va ouvrir d'un côté, on va aller coller l'omoplate, on revient en contrôle. On fait une rotation comme ça, à répétition pendant 30 secondes. OK? OK. T'es prête? Oui. Si on veut plus défaire, on se met sans appui pour travailler notre tronc. On a fini! Là, j'ai utilisé excellent pour la fin. Ouh. OK. Très bien. Ouh, OK. On est bien échauffé. Moi, je le sens bien. Je ne sais pas si pour toi, mais je suis quand même bien essoufflée. Oui, c'est bien, oui. Ouais. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un peu de la boxe ou du tiré-poussé comme ça pour aller mobiliser le haut du dos, dissocier. On va aussi faire... On va travailler nos bras un peu comme qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la propulsion, travailler la zone des omoplates. Donc, comme ça. Hein? OK. On y va, on va commencer avec la droite vers l'avant et c'est parti. Hop! Hop! OK, excellent. On a travaillé le mouvement de propulsion.
on a travaillé la chaîne postérieure en ramenant comme ça, puis comme ça aussi. Donc, les muscles des omoplates qui sont super importants pour quand on utilise un fauteuil. Maintenant, on va faire des push-ups au fauteuil. Donc, les gens qui sont en fauteuil le savent, ils doivent en faire beaucoup pour faire des transferts. Fait qu'on va en faire. Ça crée des fois de la douleur aux épaules. Fait qu'elle n'est pas... Si c'est le cas, allez moins loin, puis allez pas dans votre douleur. Mais on va travailler, on va essayer de soulever nos fesses en utilisant nos grands dorsaux comme ça. Donc, vous voyez ici, j'essaie de me reculer un petit peu. Vous voyez, je vais mettre mes poings comme ça, moi, sur la chaise. Les gens qui sont en fauteuil, vous pouvez vous mettre sur les appuis-bras s'ils sont assez stables ou sur vos roues. Et dans le fond, on utilise nos grands dorsaux pour essayer de soulever les fesses. Si ça ne soulève pas, c'est pas grave, même si vous faites juste ça. Puis que peut-être que vous êtes... Vos grands dorsaux ne sont pas assez forts pour vous soulever. C'est pas grave, ils vont forcer à presque leur maximum. OK? Donc, je vais juste reculer ça encore un petit peu pour que vous me voyez au complet. Excellent! Donc, on va s'installer et on y va pour 30 secondes. Excellent! Ouais, moi aussi. Ça va? Ça va! Ça va? Tu as bien travaillé? Oui, très bien. Oui? Excellent, super. J'espère qu'à la maison, vous avez bien travaillé. Oui. Que vous avez bien travaillé, vous avez bien senti l'effort cardio-respiratoire, musculaire aussi, là, on a travaillé. Moi, je sens bien mes épaules, puis ça travaillait pas mal fort. Donc voilà, donc c'était quatre exercices à faire assis au fauteuil pour faire du cardio. Puis en plus, on a ciblé des muscles, des ongles qui sont les plus utiles pour la propulsion de fauteuil roulant. Donc voilà, si vous voulez d'autres idées, d'autres vidéos, on en a plein sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à consulter nos vidéos et notamment à vous abonner pour être mis au courant des nouvelles vidéos qu'on va publier. Et on peut nous écrire, nous faire part de vos suggestions, de vos demandes spéciales. Puis on s'assure de les noter et de les faire au courant des semaines qui suivent. Donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vos suggestions, de vos commentaires. Également, si vous avez aimé la vidéo, que vous aimez nos vidéos et voulez nous soutenir, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et bien sûr, à vous abonner, comme je l'ai dit, sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur ce, mais un grand merci, Rana, d'avoir fait les exercices avec moi. Un grand merci à tout le monde de nous suivre et de faire partie de notre belle communauté. Rana et moi, on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne journée. Bye!